Nain, bonjour. Là, il y a les musiques un peu, on peut mon direct ici. Nain, bonjour, c'est un direct surprise. On a un problème, oh, on a un problème. Guerrier, on a un problème. Mais je dis que c'est un problème qui n'a pas. Bon, c'est un problème qui n'est pas un problème. Venez, oh, venez. On va régler ça rapidement. Guerrière, on a un problème qui n'est pas un problème. C'est-à-dire que moi, où je suis assise là, je peux penser que c'est un problème. Mais comme je ne suis pas seule là, ça ne peut pas être un problème. Partagez, oh, venez massivement, je vais vous expliquer rapidement. C'est en rapport avec notre spectacle qui aura lieu bientôt. Eh, qui m'appelle comme ça, oh? Oh, Seigneur, ici en direct. Des rappels, oh. Eh, voilà, c'est en rapport avec notre spectacle. Attends, il y a mes lunettes même. Lunettes là, ça peut faire malin, sinon là, il ne voit rien dedans. Donc voilà. Je dis, c'est en rapport avec notre spectacle qui aura lieu bientôt. Dans 2 semaines, 3 semaines par là. En fait, j'ai pensé à un truc. Actuellement, comme le spectacle est un peu speed, on n'arrive pas à avoir une salle pour nous. Parce que aussi, il y a des dates et tout, il y a des événements. Donc, c'est compliqué. Je me suis dit, bon, s'il n'y a pas de... On n'arrive pas à avoir de salle et tout. J'ai pensé à quelque chose. On peut faire le spectacle dans une villa. Comment vous voyez ça? C'est-à-dire, on prend une villa et puis on aménage ça et tout pour que tout le monde puisse venir s'asseoir et regarder le spectacle. Qu'est-ce que vous en pensez? Mais cette villa, je veux une grande villa. C'est pour ça que je fais le direct, pour que aussi vous puissiez m'aider. Si vous avez un contact ou bien si vous avez vous-même une grande villa que vous mettez en location pour un week-end ou bien pour un jour, en tout cas, c'est ce que je cherche. Je cherche une grande villa et dans cette grande villa, on fera notre spectacle. Voilà. Donc, je vais remettre encore le numéro de mon manager pour toutes les personnes qui connaissent un propriétaire, bien pour toute personne qui a une villa ou bien une salle à mettre à disposition. Vraiment, ça va nous aider. Donc, je donne le numéro de mon manager, Eric Bédi. Monsieur Eric Bédi, voilà. Vous allez pouvoir appeler pour nous donner un coup de main parce que là, c'est un peu chape et on court de gauche à droite. Voilà. Donc, si vous avez quelqu'un, alors voici le numéro 07 77 62 35 71. Le numéro de Monsieur Eric Bédi qui est mon manager. 07 77 62 35 71 pour notre salle parce qu'on a un spectacle bientôt. Je suis en train d'organiser le coup de gauche à droite. Vous me connaissez où? Quand je veux organiser un spectacle, quand je veux organiser un événement là, je suis dedans jusqu'à la fin. Ça ne veut pas dire que je vais plus faire vidéo 2 jours. Hein. Je vais voir demain ou après demain, je vais balancer une vidéo. Il y a beaucoup de belles sur les réseaux sociaux. Il y a beaucoup d'affairages sur les réseaux sociaux. Donc, je vais vous faire une vidéo. Mais en attendant, là, il faut qu'on soit concentré aussi par rapport au spectacle qui arrive. Voilà, je suis en train de travailler dessus. Donc, s'il vous plaît, si vous avez un lieu, contactez mon manager. On va pouvoir s'arranger. Actuellement, je cours pour les répétitions et tout ça. Et aussi, je voulais vous annoncer que ce week-end, c'est possible que le Gabon m'accueille. Voilà, c'est possible que je sois au Gabon ce week-end. Donc, soyez concentrés aussi. Je vais aller apporter mon soutien pour un comédie club là-bas. Et puis voir aussi le grand frère Manitou. Et voilà. Et toute la famille au Gabon. Donc, je vous embrasse. Et comme je vous ai dit là, on a un problème qui n'est pas un problème. Je vous ai expliqué. Donc, il faut qu'on se soulève maintenant ensemble pour pouvoir gérer le problème. Je vous embrasse. Et puis, tous ceux qui viennent écrire les conneries sur moi ici là, c'est la galère qui va vous tirer photo. Vous êtes vaincu au nom de Jésus. Vous êtes vaincu au nom de Jésus, je vous dis ça. Maintenant, pour tous ceux qui envoient les cœurs, les gentils messages, et pour vous qui êtes concentrés, que le Seigneur vous bénisse. Voilà, que le Seigneur bénisse vos familles, vous bénisse jusqu'à Las Caras. En ensemble, je vous embrasse. Et puis, je coupe le direct là, je cours comme ça pour aller chercher ça là aussi. Voilà, et puis aller prendre les... Comment on appelle même? Regarder les trucs de lumière et tout ça. C'est là-bas que je m'en vais.
Donc, je vous embrasse. Partagez le direct et unissons nos forces pour que le spectacle là soit une réussite. Comme je vous ai dit, je n'aime pas faire les choses seules. Donc, si j'ai quelque chose à venir vous expliquer, pourquoi on puisse faire ça ensemble. Voilà. Travail d'équipe, ça finit toujours bien. Si chacun met un peu sa main dedans, ça peut donner quelque chose. Ce n'est pas que je ne peux pas m'asseoir moi seul pour faire, non. Mais ma manière de fonctionner, c'est comme ça. Quand je fais, vous mes guerriers, guerrières, vous devez aussi participer. Et comme je l'ai dit tantôt, je veux accueillir, on pourra accueillir maximum 300 personnes, sinon 200 personnes. Donc pour toutes les personnes qui sont intéressées, voilà, pour ce spectacle-là, s'il vous plaît, c'est dès maintenant que vous commencez à faire des réservations. Pour ceux qui sont dans les groupes WhatsApp et tout, les groupes WhatsApp, vous devez commencer déjà à faire les réservations des tickets. Vous pouvez déjà envoyer vos noms, on va coucher, parce que je n'ai même pas encore fait les prix des tickets. On n'a pas encore pensé à ça, puisqu'on n'a pas encore trouvé la salle. C'est en fonction de la salle ou de la villa qu'on va pouvoir faire le prix des tickets, pouvoir s'en sortir. Parce qu'en vérité, ce n'est pas l'argent que je veux chercher dans ce spectacle-là. Je veux juste passer un petit moment avec vous. Je veux qu'on se retrouve. Donc, je cherchais un moyen. Le moyen, là, c'est ça. C'est le moyen qui est là. Donc, voilà. Donc, c'était le message de ce matin. Merci de m'avoir écouté. Et puis, on se dit peut-être le week-end au Gabon. Et puis, peut-être avant le week-end, on aura la salle. Puisque tout le monde maintenant est informé qu'on cherche une villa.